À Bondy, la bibliothèque Denis Diderot, qui fait partie du réseau des 10 bibliothèques publiques d'Est Ensemble, propose gratuitement à l'emprunt et à la consultation 150 000 documents, 5 000 DVD et 14 000 CD pour tous les habitants et toutes les personnes qui travaillent sur le territoire. Je suis très passionné d'histoire, alors je prends souvent des ouvrages d'histoire. Ce que je disais aussi sur la littérature en général, notamment le 19e siècle, parce que je me passionne pour ça. Moi aussi sur les sciences humaines, de temps en temps, sur la philosophie. Il y a mon fils aussi qui j'emprunte aussi pour lui. Nous travaillons par exemple avec les structures de la petite enfance, donc ça peut être les crèches, les PMI, les assistantes maternelles, également effectivement avec les écoles et les centres de loisirs, l'hôpital de jour de Bondy, mais aussi les centres socioculturels. Alors généralement, Alia aime beaucoup venir le mercredi après-midi, surtout pour l'heure du compte à 15h30, donc c'est un petit rituel. Alors je suis responsable de la section jeunesse. Alors à la bibliothèque, on trouve des albums, donc pour les tout-petits, on commence la lecture des plus jeunes âges, des 3 mois. Et après, on trouve aussi des bandes dessinées, des mangas, des documentaires et des romans. Voilà. Moi, c'est les sisters. Alors Alia aime les BD de filles. Et généralement, Sophie aime les romans. Et généralement, moi, j'emprunte des livres surtout liés d'histoire, surtout beaucoup d'histoire, puisque je suis le programme. Donc, nous proposons différentes activités pour tous les publics, à la fois des conférences, des expositions, des rencontres d'auteurs, des spectacles, bien sûr, pour la jeunesse ou des spectacles familiaux, qui constituent une véritable programmation culturelle et qui permet à tous, à la fois, d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux artistes, et puis aussi de débattre, parce que la bibliothèque, c'est aussi un lieu vivant de la connaissance et des savoirs.